Étudions maintenant un exemple où la formule des produits remarquables est réellement utile. Donc, je vous rappelle cette formule, a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. On n'oublie pas le double produit. Alors, un exemple est x plus 5, le tout au carré. Donc, les priorités opératoires nous disent, je calcule d'abord dans les parenthèses, x plus 5, je suis bloqué, donc je ne peux pas aller plus loin. Pour poursuivre ce calcul, il faudrait faire disparaître les parenthèses. Comme on a une puissance, on pourrait dire que c'est la parenthèse fois elle-même. Et ensuite, j'utilise la double distributivité. Mais en troisième, on vous demande de connaître cette formule par cœur et de l'appliquer directement pour éviter justement d'avoir quatre lignes, je crois, de calcul. On va donc procéder par identification. La formule est a plus b au carré. Là, je vois que c'est, elle est du même genre. Je vais donc avoir dans ma tête la formule a carré plus 2ab plus b carré. Le A vaut X, le B vaut 5. Voilà pourquoi on dit que nous travaillons par identification. Donc si le A vaut X, la formule me dit, j'écris A au carré en premier, donc A valant X, j'écris X au carré en premier. Ensuite, j'écris plus. Le double produit, c'est 2 fois A fois B, donc 2 fois A qui vaut X fois B qui vaut 5. Plus b au carré, b vaut 5, donc plus 5 au carré. Là, j'ai appliqué la formule. A plus b au carré égale a carré plus le double produit 2 fois a fois b plus b carré. X plus 5 au carré égale x au carré plus 2 fois x fois 5 plus 5 au carré. Ça va donc très vite. C'est un effort de mémoire contre 4 lignes de calcul. Maintenant, je poursuis le calcul. Je calcule les carrés en premier. Le x au carré, je le calcule en premier. C'est chouette, c'est une lettre, je n'ai pas besoin de le calculer. Le 5 au carré, donc 5 au carré, 5 fois 5, 25. Donc plus 25. Maintenant, je calcule le produit. Plus 2 fois 5, ça fait 10. Fois x, 10x. Donc plus 10x. Le calcul est terminé. Puisque ici, les termes x au carré, il n'y a que lui. Les termes x, il n'y a que lui. Et les termes tout seul, où il n'y a pas de lettre, il n'y a que lui. J'ai fini. Alors, au passage, une fois que vous aurez l'habitude, vous penserez cette ligne dans votre tête, mais vous écrirez directement le résultat de la façon suivante. A plus B au carré égale A carré, le A vaut X, donc X au carré, plus le double produit 2 fois A fois B, donc 2 fois X fois 5. 2 fois X fois 5, je pense dans ma tête, c'est facile, ça fait 10X, donc j'écris directement le résultat 10X, plus b au carré plus 5 au carré. 5 au carré, je le calcule dans ma tête, ça fait 25. Donc vous pouvez passer directement de la première ligne à la troisième ligne. Et de toute façon, vous penserez cette ligne parce que vous aurez appris cette formule.